Eh bien bonjour à tous et toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'unboxing et d'une rapide présentation de l'iPad Pro 12,9 pouces ici. On suivra également d'un unboxing du Magic Keyboard d'iPad, je crois qu'on va faire les deux en même temps. Bien entendu, je ne vais pas vous unboxer ça ici comme ça, on passera sur un autre cadre, mais on va déjà enlever cette petite boîte. Parce que là-dedans, il y a quoi? Ben il n'y a rien, c'est une boîte, vous voyez c'est une boîte qui contient comme ça. Ça, ils emballent toujours un peu comme ça, excusez-moi pour le bruit. Voilà, on a la boîte ici de l'iPad, on a déjà sa taille, c'est un beau bébé quand même, hein. 12,9 pouces de toute façon, voilà, c'est pas tout petit non plus. J'ai pris ça parce que je trouvais que c'était le meilleur compromis entre un ordinateur portable, MacBook ou un iPad Pro. L'iPad Pro revient plus cher malheureusement avec ce clavier qui coûte quand même 400 €. Ici on est environ aux alentours de 1350 je crois, il faudrait que je vérifie, c'est à 256 Go. Voilà, il n'y a rien à rajouter de plus, donc comme on peut le voir ici, 256. C'est une version Wi-Fi, donc pas 5G, parce que oui, il peut faire la 5G celui-ci. Et voilà, et je crois qu'on va passer de toute façon sur un plan un peu plus serré. Pour... Voilà, on sera mieux mis comme ça, je crois. Donc voilà, comme vous l'avez vu, hein, j'ai bien entendu enlever cette boîte-là, il n'y avait rien d'autre dedans. À voir, mais je tenais à le faire sur la caméra, on verra ici. C'est un peu dommage hein, pour ce petit coup-là. Je ne sais pas si vous l'aviez bien vu sur l'autre plan, mais voilà. Bon, bref, tant pis, on fera avec. Je sais bien qu'on aime bien ce genre de bruit également. Voilà, ça vient tout seul. On va complètement l'enlever. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est quoi les différences entre l'iPad 11 pouces et le 12,9 pouces? Ben, c'est la taille d'écran, bien entendu. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que cet écran est un écran mini LED. Il a la particularité d'éclairer certaines zones de l'écran qui en ont besoin et donc de ne pas rétroéclairer tout l'écran. Et ça, bah, je crois qu'il est à l'envers. Ouais, voilà. Autant pour moi, il était à l'envers. Et voilà, et ça c'est une bonne chose parce qu'on se rapproche un peu de l'OLED en ayant bien entendu les avantages d'un écran LCD, c'est-à-dire une meilleure luminosité qui peut grimper jusqu'à 1000 nits, il me semble, ici. Sur l'iPad 11 pouces, si vous vous posez la question, vous avez un écran classique LCD. Hein, ils appellent ça Retina, mais voilà, ça reste un écran classique LCD. Rétroéclairé par LED, mais pas par mini LED. Hein. Ici, il y a 10 000 mini LED, il me semble. Voilà, décidément, je vais réussir à la voir. C'était dur. Hein. Voilà. Et le coup sur la boîte, il était où? Il était, je ne sais même plus où est-ce qu'il était. Il était, ouais, il était sur le bas, donc ça va. Ça ne concerne pas l'écran de l'iPad. Ouais, il est vraiment mastoc. Hein. C'est assez grand. C'est un beau bébé. Hein. Mais si vous voulez un confort, tout dépend ce que vous voulez faire de votre iPad. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est pas forcément pour travailler. C'est pour beaucoup de multimédia, de la lecture. Je voulais un écran plus grand parce qu'il sera de temps en temps posé sur cette table-là pendant que je regarde la télé ou autre. Si je veux pas aller sur mon gros PC tour. Ici. On a les manuels Design for Apple California. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, vous avez. Il y a encore quelque chose là-dedans? Non, c'est un gros carton. iPad, hein, les trucs classiques. Il n'y a pas de stickers, tiens. Il est où? Il n'est pas dedans? Il n'y en a pas ici? J'ai été très mauvaise langue, regardez. Deux autocollants Apple. Voilà. On a un adaptateur secteur, youpi, donc c'est de l'USB type C ici et de l'autre côté, vous allez me dire, bah, c'est Lightning, ben non, c'est USB type C. Donc c'est vraiment pour croire que Apple veut vraiment nous ennuyer à laisser tout le temps l'adaptateur, le port Lightning sur les iPhones. Malheureusement, ce sont les seuls appareils qui disposent encore d'un port Lightning. Et ici, on a un câble USB type C vers USB type C qui fait plus ou moins 1,50 m de long, je dirais environ. Voilà ici. On le voit, c'est deux USB type C de chaque côté et c'est pas plus mal parce que vous pouvez utiliser n'importe quel câble d'alimentation. On a l'adaptateur secteur, donc ici Apple, je crois que c'est un 20 ou 25 watts, c'est à vérifier. Vous allez le voir, vous, voilà, vous le voyez ici, c'est un chargeur 20 watts. On aurait tout de même apprécié, je vous cache pas, d'avoir un 30 watts, hein, pourquoi pas. On sait déjà que l'iPhone 13 Pro Max est capable de monter jusqu'à 27 watts, il me semble, donc... L'iPad doit également en être possible vu qu'il a une batterie beaucoup plus conséquente. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y a pour cette boîte. Il n'y a rien d'autre. Et oui, il y a juste ce qu'on voyait ici. Donc toute cette épaisseur ne sert strictement à rien. Donc ils me font bien rire quand ils parlent. Enfin, ouais, on peut dire qu'il y a ça d'épaisseur. Donc allez, on va leur laisser ça. Voilà, ici on va revenir au plus important. L'iPad en lui-même. Comme on le voit ici, avec ses capteurs, son capteur LiDAR, son flash.
Et ici, bah, c'est un microphone. Oh, excusez-moi, j'ai totalement enlevé du cadre. Voilà. Donc, une très belle finition, bien entendu, qui ressemble beaucoup aux iPhones. Il est en gris sidéral, vous l'avez remarqué. On a ici, comme vous pouvez le voir, ça c'est pour la charge via le Magic Keyboard, car il permet également d'être chargé sans utiliser le port USB-C de l'iPad en question. Et voilà. Honnêtement, c'est grand. Hein, c'est grand, mais en même temps, c'est du 12,9 pouces. Hein. Il y a un tout petit truc ici. Voilà, ici qu'on va essayer d'enlever. Voilà, on l'a enlevé. J'ai pas acheté le chiffon Apple à 25 euros. Hein. Ça devrait aller quand même. Ici donc, on va essayer de le prendre sans le faire tomber, bien entendu. La particularité également de cet iPad, c'est qu'il a 4 haut-parleurs. 4. Donc c'est vraiment pratique. On en a un, deux ici. Le port USB-C, comme vous l'avez vu. Et deux autres haut-parleurs ici. On a également le bouton power ici. Et les boutons volume plus, volume moins ici. Ça, c'est pour l'Apple Pencil, il me semble. Vous me corrigerez si j'ai tort. Hein. Je ne suis pas un expert d'iPad, c'est mon premier iPad. Et voilà, et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est comme pour l'iPhone 13 Pro. Ça respire la qualité de fabrication. Hein. On sent qu'on en a quand même pour notre argent, malgré que c'est un prix assez excessif. On ne va pas se mentir. Ici, il y a un tout petit trou. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, c'est certainement un micro, hein, probablement, parce qu'ici, on a deux autres également. Ah ben décidément, le caméscope ne veut pas, il ne veut rien savoir. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez, mais là, il y en a bien deux. Et ce qu'on voit ici, ben, c'est la caméra frontale Face ID, c'est 1080p, il me semble, avec un système de tracking de visage. Donc, si vous vous déplacez, ça va vous suivre. Bon, en réalité, c'est un grand angle, hein, un grand angle qui va vous cibler, il va rogner dans l'image et il va vous suivre comme si la caméra bougeait. Mais voilà. Et il a également le Face ID. Celui-ci, donc ce n'est pas du Touch ID comme l'iPad Air, c'est du Face ID, pardon. Donc voilà, si vous êtes habitué à l'iPhone, bien entendu, ça ne vous changera pas beaucoup. Que dire de plus? Ben rien, il a l'air d'avoir une très bonne finition. On voit ici l'encadré qui est assez fin. Ça, ça ne change pas de l'iPad 2020, hein. C'est exactement la même chose. Mais ici, on va mettre de côté un petit peu cet iPad et on va s'intéresser au Magic Keyboard, donc, qui est un clavier aimanté. Qui peut également se mettre dans plusieurs positions. Il peut être complètement fermé également. Il a un trackpad multi-touch, normalement. Force touch, c'est à vérifier, ça je ne suis pas sûr. Mais voilà, ici on voit qu'il a un port USB-C qui permet donc la recharge via les trois petits connecteurs que je vous avais montré tout à l'heure. Donc c'est un clavier bien entendu en français que j'ai pris ici. Compatible, si vous vous posez la question. iPad Pro 12,9 pouces bien entendu. Et il est compatible avec 3, 4 et 5e génération. Voilà. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est lourd, hein. Honnêtement, ça pèse son poids. On dirait pas comme ça. Il me semble que l'iPad Pro de 12,9 pouces pèse pas loin de 6 ou 700 grammes, je pense. Et ce clavier doit faire quasiment le même poids. On est à un poids de MacBook, clairement. Hein. Donc, peut-être pas de MacBook Pro, mais de MacBook Air, en tout cas. Vraiment, c'est rien, honnêtement. Maintenant, comme d'hab, hein, c'est des boîtes de qualité chez Apple. Mais c'est le plus important. Ça pèse son poids, vous savez. Bien que là, ça va encore, je m'entendais un tout petit peu plus lourd. On voit ici, hein, ils l'ont mis dans un carton de protection. Hop. Et ici, on va voir le port USB-C. Somme toute, assez classique, bien entendu. Je l'ai pris en noir, bien entendu, car l'iPad est en gris sidéral. Donc ici, j'ai pris la même couleur. Il existe également en blanc. Donc si vous prenez l'iPad Silver, ah ben, c'est pas mal. C'est du soft touch, c'est pas du cuir, c'est pas du plastique bas de gamme, c'est un peu effet peau de pêche, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut éventuellement laisser des petites traces, on verra à l'usage, vous voyez, on voit ici, hein, j'ai à peine déposé mon pouce, on dirait que c'est mouillé. Mais voilà, donc c'est agréable au toucher. Le logo Apple ici gravé, à l'arrière, qui est assez joli. C'est 400 euros, hein, je vous le rappelle, 400 euros, hein, c'est pas donné du tout, c'est le prix d'un ordinateur portable Windows classique, hein. Donc, ouais, on sent une résistance. Il y a vraiment une résistance, une vraie. Ah, et bien ici, tiens, il y a un petit... C'est vraiment bien intégré, vous voyez. Hop, voilà, clavier AZERTY, bien entendu. On peut le voir ici. Commande, hein. C'est un clavier de Mac, hein, bien entendu. Hein. Moi, je suis plus habitué à Windows, mais voilà.
Je vais m'y faire. On va voir la frappe. Comme ça, vous entendez un petit peu le bruit. Bon, là, je suis sur la boîte en carton. Hein. Ça change peut-être le bruit. On va se mettre sur une table en bois. Ouais, bon, voilà. C'est des touches très fines. Hein. C'est du chiclette, hein, comme on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas si c'est la même technologie que sur leur MacBook, mais j'en doute quand même. Hein. Voilà, le trackpad est ici. On le sent. Il y a le clic qui est présent. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, on est sur du soft touch, comme un peu comme l'extérieur, bon un peu différent hein, quand même, c'est un peu plus plastique on va dire. Là ici, à l'arrière c'est un peu plus caoutchouteux, pardon, excusez-moi, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ici c'est comme du duvet, comme ça on va appeler ça comme ça, hein, vous voyez, c'est pour pas griffer bien entendu le revêtement de l'iPad. On a ici les connecteurs pour la recharge via l'USB type C, et normalement il est censé être aimanté. Oups, désolé pour la caméra. J'ai jamais mis là-dessus. Est-ce que ça va être facile à mettre? Il y a l'air. Est-ce qu'il s'est bien refermé dessus? Ça, j'en ai aucune idée. Il y a une grosse résistance. Enfin, une résistance rassurante. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais honnêtement, c'est bien qu'elle soit là. Parce que sinon, quand vous l'ouvrez, bah, qu'est-ce qui se passe? Si que non, quand vous l'ouvrez, bah, ça se casserait la gueule, hein, tout simplement. Il y a vraiment un blocage qui se fait ici, on le sent. Et ensuite, l'iPad pivote automatiquement avec la pliure qu'il y a ici, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, est-ce qu'on peut, bien entendu, le monter, le descendre? Normalement, oui. Voilà, hop, ici comme ça. On me voit un petit peu dedans. Et voilà, on va l'allumer quand même. Bon, on peut l'incliner comme ça, ça c'est très bien. Et on peut l'incliner comme ça ici. Mais là, on ne pourra pas aller plus loin, vous voyez. Hop. On ne pourra pas aller vraiment beaucoup plus loin. Donc, il y a quand même des limites. Hein. Mais voilà. Et ici, on voit. J'ai directement la souris avec le trackpad. Qui est représenté ici par le petit point. Voilà. Hop. Je ne vais pas faire la configuration ici. Parce que ça va prendre trop de temps. Et puis, ce n'est pas le but de cette vidéo. On était vraiment sur un unboxing. Voilà. On verra pas plus, parce que c'est pas un test. Je ferai peut-être un test plus tard, mais ici c'était surtout pour se concentrer sur la partie unboxing. Et voilà, et avec ce petit clavier en même temps, on se retrouve donc avec un beau bébé hein, qui doit peser plus d'un kilo 5, à mon avis, on est pas loin de ça. Et voilà, mais on sent que ça respire. Hein. Ça respire, c'est bien que ça soit lourd, hein, dans un sens, pour... allez, ça donne une impression de solidité, on va dire, à l'ensemble. Et voilà, il faut vraiment le prendre, et il faut trouver le petit coup de main pour l'ouvrir rapidement. Et après, voilà, il se réactive tout seul, donc voilà. Ben voilà, ce petit unboxing rapide est terminé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et on se retrouvera probablement pour une autre vidéo, bien entendu. Est-ce que ça sera avec l'iPad ou pas? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, voilà, c'était JC80. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.